parce que quand on dit la Guinée là, il y a beaucoup de qualités, il y a beaucoup de personnes. C'est-à-dire ils sont en Guinée là-bas, mais ils se comportent comme s'ils ne sont pas Guinéens. Comme quelqu'un qui est venu seulement cesser sa vie et puis comme ils se comportent là-bas comme si ils ne sont pas les fils du pays. C'est-à-dire, et ils ne cessent pas à arranger, c'est pour gâter seulement. Et puis profiter dedans. C'est ça leur travail. C'est ça leur travail. Et votre travail là, ça a pris fin. Votre chef qui vous a appris à faire ça là, déjà, à Egioro, c'est fini. Il est parti là. C'est fini. Nous, on va vous corriger. On va vous montrer que veut dire Sinyoya. On va vous montrer que veut dire Badenya. On va vous montrer que veut dire Kambolo de Nyoma. Nous, on va vous apprendre ça. Parce que c'est ça que vous ne voulez pas écouter. Mais nous, on va vous apprendre ça. Que veut dire Kassinyoya de Nyombolo. Kanyon Bounia. On va se respecter. Tu vas connaître ton ami va te connaître. Nous, on va vous apprendre ça. Parce que votre mensonge là, c'est-à-dire même si Dieu vous montre la vérité, vous allez dire toujours devant Dieu que c'est faux. C'est ça que j'ai dit. J'ai dit Dieu même a bien fait de casser sa figure, on ne le voit pas. Parce que si on le voyait, on ne le voit même pas. Ce qu'il a dit de faire, d'autres ne font même pas ça. Si on le voyait, c'était grave. C'était grave. Et tu mens, tu sais que Dieu te voit, mais tu mens. Surtout, il ne faut pas mentir dans les situations comme ça. Un pays doit, quelque chose qui doit avancer ton pays, on ne doit pas mentir. On ne doit pas mentir dans ça. Il faut toujours... Si c'est pour mentir et puis arranger là, je préfère mensonge là. Que de mentir et puis gâter, laisser derrière. Je ne veux pas ça. Donc vous qui sont là à diviser là, avec vos mots sales là chaque jour, vous ne voulez pas marcher sur le bon chemin de Dieu. Vous ne voulez pas le bien de la Guinée. C'est vous-même qui ne voulez pas le bien de la Guinée. C'est vous-même qui ne voulez pas que le pays là bouge. Parce que quelqu'un qui veut que son pays bouge, il doit cesser des bonnes paroles, des bonnes attitudes pour son pays. Mais quelqu'un qui vient s'arrêter seulement, il n'a rien dans sa poche. C'est pour la seule chose qu'il peut faire seulement. C'est sa bouche, la remise, sa bouche, la mentir comme ça, là, on dirait qu'il ne dort pas dans la maison. Arrêtez, arrêtez. On a beaucoup souffri dans l'ethnocentrisme, là. On a beaucoup souffri dans l'égoïsme, là. Donc, arrêtons ça, s'il vous plaît. Arrêtons ça pour que le pays, là, avance. Nous, on n'est pas là pour dire que et quand un peuple vient, c'est comme ça, c'est comme ça. Nous tous, on est Guinéens. Nous tous, on est Guinéens. Mettez ça dans vos têtes matin, midi, soir. C'est ça que je vous dis. Si c'est un Kissi qui a le pouvoir, on lui laisse faire. Si c'est 10 ans, il fait son 10 ans. Après son 10 ans, il quitte. S'il fait ce qu'on aime, c'est à nous de dire encore, il faut continuer. Parce que quelqu'un qui fait un bon travail là, personne ne veut perdre. Personne ne va dire à l'intéressé, il faut quitter ici là. Donc nous les peuples là, on veut quelqu'un de bien. Nous les peuples là, on veut quelqu'un qui va travailler pour nous. Donc arrêtez de parler de n'importe quoi. Celui qui a eu le pouvoir... Déjà, on a un président qui est élu, qui a dit non, il veut sa victoire. Il faut qu'on se donne la main
pour supporter. C'est ça qui est la vérité. Pour lui supporter. C'est pas une place que quand quelqu'un s'assoit, c'est pour éternel. Alpha était là-bas, il pensait que c'est lui le Dieu. Aujourd'hui, où il est? Quand nous, on était là à parler, matin, midi, soir, vous êtes là à rire, on dirait que ça ne vous regarde pas. Quelqu'un qui est là à chier sur vous, qui ne fait pas un bon travail. Même les gens se moquaient même de nous. Parce que on est là à voir, à regarder un président qui ne fait pas quelque chose de bien, qui tue vos enfants. Et vous supportez, vous êtes là à lui supporter. Tout simplement parce qu'on prend des paquets là pour mettre dans vos bouches sales là. C'est pour venir vous arrêter et à y baragnouma là. Et il fait comme ça là. Vous, vous pensez que la place là, il s'est assis, c'est là-bas, il va mourir. Il a trouvé que les gens sont passés là-bas. Donc, lui aussi, il est où aujourd'hui? Donc, il faut que chacun de nous là, on se respecte. Personne n'est inférieur à son ami. Nous tous, on est comme ça là. Donc, quand ton ami a une place aujourd'hui là, tu lui laisses faire son temps. C'est ça qui est la vérité. Tu lui laisses faire son temps. Le jour où toi aussi, ton jour va venir, tu vas faire ça. Tu vas faire ça. Ne pense pas que c'est vous seulement que la Guinée appartient. Même si on arrive à arranger bien, ils vont toujours cesser des mots sales, sataniques comme ça là pour venir mettre dans l'oreille des populations. La joie là, c'était joie de tout le monde. Parce que la souffrance était sur tout le monde. Le fait que Alpha Condé est parti, la joie de ça d'abord. Parce que s'il faisait un bon travail, personne n'allait sortir pour faire la joie là. On allait lui apprécier. S'il avait fait un bon travail, même si il disait il va changer la loi, nous-mêmes on allait être d'accord pour ça parce que on a vu les travaux qu'il a fait, mais on n'a rien vu. Rien. Sauf venir faire semblant. Les gens qui sont derrière lui aussi, ils sont là seulement pour faire chose. Semblant ça là. Et la souffrance revient encore sur vous. Ils n'ont même pas honte de sortir sur les réseaux sociaux pour dire n'importe quoi. N'importe quoi. Quand il a organisé 28 septembre, il voulait tuer tous les leaders là. Il organise quelque chose et puis venir se flanquer en France. Ça s'est passé devant tout le monde là-bas. Hein? S'il vous plaît, mettez l'eau dans vos vins là-bas. S'il est parti là, occupez-vous de votre problème. Et puis laissez le pays dans la main des enfants dignes qui ont réfléchi, bien réfléchi ensemble et prend le pouvoir là avec lui. Vous pensez que tout le monde est maudit comme vous? Vous pensez que tout le monde est lâche comme vous? Vous pensez que tous les Guinéens, tous les enfants dignes guinéens sont maudits comme vous? Vous voulez seulement profiter dans les sauges sans faire un bon travail. Hein? Sans faire un bon travail. Ou bien, quand Dieu mettait la Guinée là, la terre de la Guinée, c'est vos noms il a écrit là-dessus? C'est vos noms il a écrit là-dessus? Hein? S'il vous plaît, ne faites pas que on aille loin. Dieu ne va même pas faire ça parce qu'il a déjà envoyé un bon vent en Guinée. Vous les malinqués maudits qui sont parmi les vrais là, laissez-nous tranquilles. Hein? Nous, on connaît des vrais malinqués. Nous, on connaît des vrais malinqués. Donc, vous les maudits qui sont parmi eux là, qui ne veulent que problème seulement. Problème seulement. Même il y a certaines ethnies, ce n'est pas même les malinqués seuls. Parce que je vois certaines ethnies,
ils sont encore dedans. Vous les sataniques là, vous êtes partout, partout dans les ethnies. Vous ne voulez pas le bon. C'est pour gâter seulement. Quand il vient s'asseoir menti ici là, tu vas dire que c'est eux-mêmes qui dorment dans le présidentiel là-bas. Que c'est devant eux-mêmes que l'affaire là est passée. Donc là où on est comme ça là, on est content du fait que le méchant là est parti. On est content du fait que le Satan là est parti. Donc le vent qui est rentré chez nous là, c'est un vent de Dieu. Parce que les orphelins ont pleuré, les femmes ont pleuré, les hommes ont pleuré, les enfants ont pleuré, chacun priait. Vous pensez que c'est tout ça là qui va tomber comme ça là à terre? Parce que tout simplement vous êtes là, on vous corrompit seulement dans le trou et vous ne voulez pas la vérité. Même si on leur montre la vérité, ils vont toujours avoir quelque chose à parler à côté. Vous pensez que c'est à cause de vous la Guinée ne va pas avancer? On est prêt maintenant à bouger le pays là. Nous on n'est pas là pour diviser. Vous qui voulez diviser là, on va mettre le piment chaud là dans vos yeux. On va vous montrer comment les gens doivent se unir. Donc c'est ça qui est la vérité. La 16 qui est là-bas, là, ça que Etini va passer sous là-dessus. Dès maintenant, c'est ça qui est la vérité. Vous pensez que le colonel Doumbouya n'est pas un vrai fils digne du pays? Ils vont venir s'arrêter comme ça, là, parler sous le monsieur comme ça là, comme si il connaissait le monsieur là avant. S'il vous plaît, chacun veut quelque chose de bien pour lui. Même si tu es né par là là et que tu grandis, on dit que tes parents viennent de la Guinée ou bien tes parents viennent de l'Afrique et que tu te retrouves là-bas un jour pour faire un bon travail, c'est les gens, ils ont venu par là, ils connaissent comment les gens d'ici prennent soin de ses œufs. Vous pensez que tout le monde va être maudit comme vous, travailler dans la méchanceté comme ça là? Mon frère, mes soeurs, mettez l'eau dans vos veines et puis regardez les gens qui veulent bouger le pays là. Continuez votre chemin. Si tu ne peux pas faire quelque chose de bien pour ton pays, il faut fermer ta bouche long là et puis tu t'assois à regarder les gens qui veulent faire le bon travail au pays. Demain maintenant, quand c'est bon, c'est eux qui vont sortir encore, dire c'est rentré, c'est sorti. Vous ne pouvez pas faire quelque chose de bien. Les gens qui veulent faire le bien, pourquoi venir leur parler de n'importe quoi? Alpha Condé était là-bas, il vous a fait quoi? Quel miracle là-bas? Vous pensez que prenez les paquets là seulement, allez gaspiller, et vous-même quand vous êtes dans les trafics et choses, et embouteillages là-bas, vous souffrez comme ça là. Même les véhicules qu'on vous donne là-bas là, pour bien circuler ça, les routes sont gâtées. Laissez-nous balayer la maison, ok? Fermez vos gueules là. La joie qui est rentrée là, il n'y avait pas à faire d'ethnie dedans. Tout le monde était dans la joie là. Donc c'est pour vous dire que on est unis. C'est vous les mauvaises personnes là qui viennent seulement nous diviser. Vous pensez que c'est vous qui sont Dieu? Vous n'êtes pas Dieu. Donc la Guinée là, tous les ethnies que Dieu a mis sur la terre de la Guinée là, chacun a le droit d'être président là-bas. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Tu viens, tu ne fais pas un bon travail. Tu te comportes comme Alpha Condé. On sort. Que tu sois soussou, que tu sois guerzé, que tu sois malinqué, que tu sois peul, que tu sois landouma. Tout. Tu viens, tu te comportes comme Alpha Condé. On te dit nos quatre vérités. C'est ça qui est la vérité. Donc fermez vos gueules là. Vous qui sont là à dire que toujours à l'équiléné, toujours à l'équiléné. Ça veut dire quoi? Hein? C'est-à-dire quand tu veux parler même,
il y a les bonnes personnes qui sont dedans, tu vas les pousser. Mais les bonnes personnes qui sont dedans là, restez sous vos semaines. Vous êtes les bons enfants de Dieu. Les mauvais qui sont dedans là, nous on va vous changer. On va vous changer. On va vous changer et vous allez avoir honte comme ça. On va vous montrer la différence. La différence. On va vous montrer que nous, on connaît le bon Dieu. On sait que veut dire péché. Ce n'est pas seulement pour aller à l'église. Ils sont là-bas, là, chaque dimanche. Tu les vois à l'église, ils s'habillent pour partir. Leur cœur est noir comme ça, là. Noir comme ça, là. Quand ils attrapent quelque chose, on dirait qu'ils ne sont pas Dieu. L'escroquerie seulement, pour gâter seulement. Arrêtez ça. Personne n'est venu sur la terre là pour rester. Chacun a son temps et puis parti. Vous devrez croire à Dieu et faire ce que Dieu vous dit. Et faire ce que Dieu a dit de faire. Si tu ne veux pas suivre Dieu là, reste à la maison, ne fais pas semblant d'aller à l'église chaque jour. Moi, je suis là, là. Je peux faire 2 mois, je ne pars pas à l'église. Je peux faire 3 mois, je ne pars pas à l'église. Mais je sais que Dieu est dans mon cœur. En dormant, je prie. Et le jour où je suis prêt pour partir à l'église, je pars, je remercie le bon Dieu pour tout ce qu'il m'a fait comme du bien. Il faut croire à Dieu. C'est ça qui est la vérité. C'est pourquoi quand tu lui dis quelque chose, il te fait. Tu lui montres semblant, il ne t'écoute pas. Donc, arrêtez de faire semblant. Moi, je veux pas que... Je préfère que quand je meurs, là, on dit qu'il ne partait pas. Mais Dieu, entre moi et Dieu, là, il connaît ce que je lui ai montré. Donc, ils sont là, là, ils se montrent à les gens qu'ils prient. Et pourtant, leurs cœurs sont noirs comme ça, là. Pour aller gâter seulement. Pour aller gâter seulement. Quand tu les vois dans les bitrans là-bas, tu les vois avec leur s'appeler là-bas. Déjà, c'est pour les gâter du pays comme ça là. Arrêtez ça. La paix qui est rentrée au pays là. Restons derrière ça. Et regardez les gens qui veulent mettre la Guinée à sa place. C'est ça qui est la vérité. Chose, comment dirais-je, nyama nyama qui sont partis là. Dieu a mis le vent chaud là derrière. Donc le bon vent qui est en Guinée là, ça va rester pour l'éternel. Ça va s'augmenter. C'est pas vous qui vont venir gâter ça. Ça va s'augmenter. Que vous voulez ou pas. La place là, ce que vous ne voulez pas voir là, vous allez voir ça là-bas. Vous allez voir ça là-bas et c'est comme ça, ça va continuer. Chaque ethnie va gérer la place là. C'est ça qui est la vérité. On n'a pas dit que la sèche qui est là-bas là, c'est Soussou seulement ou bien c'est Malinké seulement qui doit s'asseoir là-bas pour éternel. Tu nous montres que tu es capable, on te laisse t'asseoir là-bas. C'est ça qui est la vérité. Tu fais ton mandat, tu finis, tu pars. Donc, que vous voulez ou pas, vous allez voir ça avec vos yeux là. Et votre cœur, parole méchante qui est dans vos cœurs là. Parce que vous parlez, on dirait que vous êtes rentré dans le cœur de l'intéressé pour connaître ce qui est là-bas. Pour connaître le travail qu'il va faire. Ça, c'est les maudits comme ça là. C'est eux qui s'assoient pour parler, on dirait qu'ils ont rentré dans ton corps pour connaître ce qui est dans toi. Arrêtez, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas Dieu aujourd'hui, vous n'êtes pas Dieu demain. Vous vous asseyez seulement pour parler les mots comme ça, là. Après, la honte est là devant vous. Après, la honte est là devant vous. Laissez-nous respirer. Laissez le pays là. Si tu ne peux pas faire quelque chose là, laisse le pays là comme ça. Mais ne viens pas mettre le pays là derrière. Les gens qui ont mis le pays là derrière, le regret là est sur eux aujourd'hui. Hein? D'autres sont là, ils n'ont même pas honte.
Ils n'ont même pas honte. Si tu ne peux pas faire un bon travail là, tu te tais et tu suis ta route. Tu laisses avec les gens qui peuvent l'arranger. Donc la famille, s'il vous plaît, donnez-nous la main. Donnez-nous la main, c'est l'union qui fait la force. Dieu même a fait ça là, pour nous montrer qu'on doit se donner la main. C'est seule la paix et l'union qui peut nous donner la joie au pays. Qui peut faire qu'on peut travailler ensemble. Donc s'il vous plaît, la joie qui a commencé là, ça se termine comme ça. Ça se termine comme ça. Si quelqu'un te parle de l'affaire des racistes là, il faut lui parler tes quatre vérités. Tu lui montres que toi, tu n'es pas là pour ça. Toi, tu es là, tu es Thomas, tu vois Malinké, c'est ta soeur, c'est ton frère. Aide-lui. Tu lui aides, il va aider un Malinké demain. Celui-ci aussi va aider un peu demain. Nous tous, on est sur les réseaux sociaux là. On se connaît. Tu connais. De toute façon, donc, Facebook là est comme ça là. C'est comme ça on se connaît. On a grandi. Certains ont grandi ensemble dans les quartiers. Hein? D'autres mangeaient même. On mange celui ici, on quitte ici, on part chez toi, on mange. C'était comme ça. Donc, s'il vous plaît, si vous avez oublié tout ça là, nous, on n'a pas oublié. Nous, on n'a pas oublié. Donc, s'il vous plaît, la famille, donnez-nous la main. C'est l'union qui fait la force. C'est l'union qui fait la force. Ne dis pas seulement que c'est ton parent que tu dois aider. Il faut aider autre ethnie. Il va aider. On se connaît entre nous. On se connaît entre nous. Donc, arrêtons la méchanceté là. Le bon vent qui est rentré, c'est nous là. La joie là. Continuons dans ça. On va augmenter. Laissons les hypocrisités là. Laissons la méchanceté là. Tu sais que ton ami a un bon talent. Il peut faire quelque chose de bien. Laisse-lui faire pour que ça honore ton pays. Le nom de ça d'abord. Le nom de ça d'abord. Pourquoi quand nos footballeurs là sortent pour aller jouer là, les meilleurs qui sont dedans là, le travail qu'ils font là, pourquoi on les apprécie? Parce qu'ils donnent la joie pour le pays. Ils donnent le nom pour le pays. Toi, tu vas voir ça sur ton ami et puis tu viens t'asseoir sur ça là pour ne pas que les gens voient le talent là, pour ne pas que les gens voient le bon travail qu'il fait. Arrêtons ça. Ça, c'est pas un bon travail. Ça, c'est pas un bon travail. Il faut qu'on s'aide entre nous. Il faut qu'on s'aime entre nous. C'est ça qui est la vérité. Dieu a déjà fait son travail. C'est à nous maintenant de terminer le reste. De toute façon, donc, on a grandi, voir la joie là. On a laissé notre route là. C'est pourquoi Dieu a envoyé le méchant là pour que on arrive à comprendre et puis retourner sur le chemin qu'on avait. Donc s'il vous plaît, donnez-nous la main. C'est l'union qui fait la force. N'écoute pas les maudits là. Satan est déjà dans leur corps. Ça va sortir dans leur corps, mais il faut que nous on soit fort plus que les gens là. Il faut qu'on soit fort plus que les gens là. Quand beaucoup de projets vont rentrer au pays même, si tu attends que tu t'assoies à parler là, c'est parce que on n'a pas mis des lois dans le pays. Tout va changer. Allons-y seulement. C'est quelqu'un qui a pris le pouvoir comme ça là, il va nettoyer d'abord. Vous-même, vous allez comprendre que... Votre fils qui était en extérieur là, il a bien compris le système de là-bas. Donc c'est ça qui est la vérité. Vous êtes là à dire que Ang Bansani,
Quand tu sors dans la Guinée, là, tu viens par là, là, et que tu te retournes, les têtes, là, les cerveaux, là, ne sont plus les mêmes. Ne sont plus les mêmes. Donc, donnez-nous la main. C'est l'union qui fait la force. C'est l'union qui fait la force. Tout ce que on va dire de faire là, masser sur ça pour que le pays là avance. Pour que le pays là avance. Et arrêter de parler de n'importe quoi. Nous, on n'est pas là pour ça. On veut que le pays là change maintenant. Nos enfants qui sont, nos sœurs et nos petits-enfants qui sont là-bas, là, ils vont grandir dans la joie. Hein? Ils vont grandir dans la joie. Ils vont voir des bonnes choses. Ils vont être éveillés. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas chez nous là. Quand tout ça là, ça vient là-bas, ça ouvre les yeux. Partout aussi, tu n'es pas dans ton pays. C'est pourquoi quand tu quittes en Guinée là, tu viens, ou bien en Afrique là, tu viens ici d'abord. Ils vont t'envoyer dans l'école. Tu vas partir d'abord dans une école où ils vont t'apprendre comment prendre les bus ici. Comment prendre les choses, comment dirais-je, les métros. C'est ça d'abord. Ils vont t'étudier quand tu sors sur toi le matin, comment tu dois circuler, faire tes couches. Quand tu viens d'abord ici, c'est ça d'abord que tu commences. Quand tu pars à la banque, comment ouvrir tes choses. Tout, on t'apprend tout d'abord. Les gens qui ne suivent pas ça là, quand ils sortent là, ils ont des difficultés. C'est pourquoi tous les Africains qui sont venus ici là, et tous ils étaient ici comme des maboules. Parce qu'il n'y a pas ça, c'est nous. Il y a des choses comme ça là qui ne sont pas chez nous. Tout le monde est passé dans Villageoya là. Tous les gens que vous les voyez aujourd'hui là sur Facebook avec des bonnes choses là. Nous tous, on est passé dans ça ici. Quand tu viens d'abord là, tu es villageois, tu ne connais rien. On doit te montrer tout. Nous, on est là à cesser à comment au moins créer certaines choses comme ça là, c'est nous, pour que quand tu quittes là-bas, tu viens, ça soit facile pour toi. Vous êtes là seulement les bêtes comme ça là. En train de gâter tout, c'est pour vous asseoir parler sous les thés là-bas. Mentir seulement. Mettez l'eau dans vos vins. Nous, on va avancer le pays là. C'est ça qui est la vérité. Donc, la famille, je m'arrête ici. La joie qui est rentrée, c'est nous. Que Dieu continue ça. Que Dieu continue ça. Quelqu'un qui est venu pour nous faire sortir dans la souffrance là. Que Dieu lui donne longue vie. Vous tous qui ont été à côté de cette histoire pour nous enlever dans la situation là, que Dieu vous donne longue vie. Que Dieu bénisse vos enfants. Que Dieu bénisse vos familles. Que vos ennemis là ne voient même pas la route pour vous approcher. Parce que vous avez été le vrai fils du pays. Vous avez été digne pour la population. Donc, grand merci à vous. Que Dieu vous donne la force encore de plus nous avancer le pays là. De plus nous donner la paix encore de plus. Donc, la famille, ma voix ce soir encore pour vous, c'était ça. Continuons la joie là. Respectez entre nous. Quand tu te rencontres avec les satanins comme ça là, toi tu sais que c'est eux. Tu ne les écoutes pas. Il faut les dépasser même. Parce que quand tu t'arrêtes pour parler avec eux, ça va aller loin. Donc, leur esprit là, c'est court. Donc, quand tu te rencontres avec les gens comme ça, là, tu ne dis rien. Même s'ils disent n'importe quoi, toi, il faut continuer ta route. Il faut continuer ta route. Donc, c'est ça la famille.